Je suis ce matin aux côtés des cheminots parce qu'il y a une décision du SDRIF, qui est une instance qui s'occupe des transports franciliens, transports publics, et qui veut ouvrir à la concurrence un certain nombre de lignes et avancer à marche forcée dans la logique et celle de la mise en concurrence voulue par l'Union européenne, voulue aussi par la loi Pacte, et maintenant voulue de façon acharnée et rapide par Valérie Pécresse, qui croit à la logique du marché, au bienfait de la mise en concurrence et de la privatisation, alors que nous savons que cette voie est une voie qui détériore le service pour les usagers et qui détériore les conditions de travail des salariés. Donc c'est vraiment perdant-perdant, on le sait depuis au moins Margaret Thatcher qui a inauguré cette logique de privatisation des transports, et ce que ça a donné, c'est vraiment pas fameux, puisque le service a été tellement catastrophique, avec des retards en chaîne, des plein de problèmes, qu'il a fallu renationaliser. Donc ça ne fonctionne pas, et c'est le moment de le dire dans la rue, et le moment aussi de créer une mobilisation politique d'ampleur pour mettre fin à l'ère Pécresse en Île-de-France.